Monsieur et mesdames, bon âge de Bordeaux. Maxette Pirbagas, député européenne. Ouh, femme de vous. Oh, femme choc, il va payer. Ouais, là c'est parce qu'il est pour la bestie. Il fait qu'il débarque là pour ça. Attention, débarque. On va faire mais c'est mon ménel. À nous femmes pour le mi-temps, nous à nous. Fais dire ça. À nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous. Qualité pour travailler, qualité pour agriculteur, qualité pour marin pêcheur qui qualité. La revendication elle est simple en fait. On demande aujourd'hui à ce que le prix du carburant soit revu à la baisse et une baisse de 50 centimes. Aujourd'hui, de janvier à maintenant, on a pris 32 centimes dans les dents sans justification. En fait, on vous justifie que le prix du carburant a augmenté parce que le prix du baril est cher. En fait, le prix du baril, il est beaucoup moins cher qu'il y a 2-3 ans. Tout simplement aujourd'hui parce que la SARA veut rattraper les sous perdus pendant la période Covid. Et aussi toutes les infrastructures qui sont obsolètes, mais tous les sous générés il y a plusieurs années grâce à cette position de domination a été redistribué aux investisseurs. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, nous ne sommes pas là la soupape de la SARA. Nous sommes des pêcheurs et ne pouvons pas accepter avec un baril à 70$ ou à 80$, 1,04€. Ça veut dire que le baril, quand il va arriver à 100$, on sera 1,20€, 1,50€. On pourra plus s'en sortir. Pêcheurs des ultramarins qui font la pêche traditionnelle, qui sont en train de payer 1,04€. Et je trouve qu'aujourd'hui, moi en tant que députée européenne, je vais soulever ce problème au niveau de la pêche. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement par rapport à cette distorsion au niveau de la SARA? Et rencontrer aussi avec vous, Monsieur Vincent, en tant que députée européenne, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour nos marins pêcheurs ultramarins, pour nos Guadeloupéens, pour nos Désiradiens, pour nos marins galantais, pour nos Saint-Trois et Saint-Troises? Nous avons une situation de monopole qui n'est pas d'être privé. Et pourtant, des textes européens qui disent qu'il ne faut pas une entreprise, surtout dans ce territoire, nous, si petit qu'il y ait, trouver une situation de monopole. Nous sommes des mondes captifs. Alors, et si nous venons en autonomie, Maxette, oui. Si nous venons des filières autonomes, que la Guadeloupe a accédé à une certaine indépendance pour manger, oui. Il faut que les secteurs primaires, que nous sommes agriculteurs et pêcheurs, oui, nous renforcent et que nous ayons des simplifications dans la méthodologie en nous et que nous ayons une politique de développement qui a fait économique, mais aussi formation, mise en marché et rentabilité. Et le cri d'alarme qu'aujourd'hui ressentent nos pêcheurs guadeloupéens, Désiradiens, Saint-Trois et Marie-Galantais, c'était moi, en tant que députée européenne, des Vinavou et Jodla, en qui intervenu préfet là. S'il faut faire une table ronde, on va s'asseoir, on va parler pour trouver des solutions pour vous. Qu'on respecte l'engagement parce que ça a fait une réussite, ça a fait un engagement total. Et ça, nous respectons ça. Mettez-nous en avant. Voilà. Votez pour un grand changement. Pour Marie Galante, pour la Désirade.